Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très très bien. Alhamdoulilah Yarbi. Nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, qui m'a raconté Foufi Elioumani sans make-up, n'est rien du tout. D'ailleurs, je pense vraiment que Wolftoni sans make-up, H24 sans make-up, que ce soit en story sur Instagram, ou les vidéos vlog Terry, tout le temps sans make-up. Malheureusement, même Anna Wolftoni sans make-up. C'est grave de dire ça pour une influenceuse beauté, mais c'est la triste réalité. Wolftoni sans make-up. Mais n'empêche que Elioumani, Alhamdoulilah, une nouvelle vidéo revue. Et non pas une vidéo crash test parce que les produits je les ai déjà essayés, donc voilà. Une marque, c'est la marque Essence. Je pense que Kamel t'a la marque Essence. Kamel si tous les produits t'as la marque Essence, c'est une marque donc des produits c'est à la portée de tout le monde. C'est des produits à petit budget où tu auras vraiment partout, donc voilà. Et du coup, des nouveautés, les sites ont déjà mon compte Instagram, des trucs comme une vidéo IGTV ou des compagnie des revues en story. D'ailleurs, dans la compagnie Instagram, je vous invite vraiment à me suivre sur mon compte Instagram. Je suis beaucoup plus présente sur Instagram que sur ma chaîne YouTube. Normalement, elle est belle comme à. Et du coup, qui me retrouve si tu as donné les produits. Bon, les vidéos IGTV à la belle comme c'est des crash tests, c'est des vidéos en musique et tout. C'est même dans comme je les produits. Mais chez qui m'a fait ma chaîne YouTube, c'est des revues détaillées. Donc, c'est pour ça que je vais te comme la vidéo. Donc, qui me retrouve comme elle a les nouveautés, mais j'ai inclus quelques produits techniques. Des nouveautés, donc sinon on va commencer tout de suite, sinon la vidéo va durer une éternité. Alors on va commencer tout de suite avec le premier produit, c'est un primer, donc c'est le Hydrating and Perfecting Primer avec un SPF de 20. Ce qui est excellent, c'est que fait un SPF de 20, ça m'a mis une protection solaire en plus, et en plus de ça, c'est un primer qui va hydrater la peau. Donc pour les personnes qui ont une peau sèche, il est juste excellent. C'est mon coup de cœur le produit. La texture est vraiment FIFA, on dirait vraiment un sérum, il hydrate super bien la peau. D'ailleurs, très souvent, la peau est comme vraiment bien hydratée. Il me donne comme un joli glow sur la peau et en plus de ça, il va lisser le grain de peau. Franchement, aide le produit Idel Keto, foncez les yeux fermés. Alors, je vais vous montrer la texture Tao. D'ailleurs, vous allez voir, je fous la texture Tao, on dirait un sérum. C'est très léger. Et Anaïa, je l'applique comme le visage Terry, vu que Andy une peau sèche. Donc Anaïa, je l'applique comme le visage Terry, comme un soin en fait. Donc voilà. Et franchement, vous allez voir le glow limdo sur la peau. Franchement, il est trop bien. Même quand vous appliquez le fond de teint Tacom, sur le fond de teint, il est bzef shbab. Et surtout pour les personnes qui ont les zones de sécheresse et tout, vraiment, il est trop trop bien. Bzef haïl, le produit, je l'adore. Voilà, donc année, je l'étale comme la poteille et choufou le glow limdo. Franchement, c'est une pépite le produit, je l'adore. Le deuxième produit que je vais appliquer, c'est un primer. Par contre, c'est un primer qui est teinté ou ando un effet blur. Donc, il va camoufler un petit peu les rougeurs, les canines, la NF, les joues. Et en même temps, il va camoufler, chouïa, tout ce qui est pores dilatés. Donc, voilà. Par contre, le premier primer, c'est un primer qui est hydratant. Et en même temps, il va lisser la peau. Donc, rien à voir. Il est excellent pour les personnes qui ont les rougeurs ou les rougeurs tanniques, tout ce qui est pores. Et il est excellent aussi pour les peaux grasses. Donc, je l'applique. Parce que j'ai une peau sèche, je l'applique juste pour camoufler les rougeurs. Voilà, mais en tout cas, c'est un excellent produit. Il est trop bien parce que il camoufle. Peut-être de l'utiliser vraiment sans appliquer un fond de teint. Sinon, pour le fond de teint que je vais appliquer HDS, c'est pas une nouveauté, mais je l'adore, le fond de teint, c'est le Stay All Day 16h. Donc, la teinte Linstamla, c'est la teinte 15 Soft Crème. Franchement, le fond de teint, il est excellent, il est couvrant, la texture Tao Bzafeila et la teinte Toulmni super bien. Donc, Rahan appliqué, je suis Alanaya Fidé. La texture Tao vraiment Bzafeila parce que Mchi Bzaf Tril ou Mchi. C'est entre les deux et franchement la couvrance Tao elle est juste excellente. Donc je vais l'appliquer comme le visage Terry. Donc je vais l'estomper et vous allez voir la couvrance Tao. Il camoufle cool. Je fais la teinte, elle est juste parfaite. Je vais la caméra comme je suis à clair, mais elle est lumière et tout. Mais vraiment, il est parfait. Que ce soit la teinte ou la couvrance Tao. Chauffe au bain maintenant ou maintenant. Rien à voir. Il s'estompe rapidement. Il est léger, mais tu sais, comme elle flappe. Il est trop bien.
C'est bon, j'ai estampé le fond de teint de taille, donc je vais appliquer l'anti-cernes à la marque Essence. Ça doit être comme déjà les d'ailleurs, comme les c'est un anti-cernes qui n'est pas vraiment couvrant. Donc voilà, un homme chez ma dubnish bzaf, mais il n'est pas couvrant pour moi. Donc c'est pour ça les Manstam Louche. Je l'utilise seulement pour illuminer un petit peu, c'est tout. Mais sinon, pour camoufler ou là, il n'est pas couvrant. Voilà, il est comme chez les cernes ou là, il est bien pour vous. Mais il est comme des cernes marquées qui m'a anaya. Ça va pas suffire. Voilà. Là, je l'applique haka relshuya pour illuminer un petit peu. Et je l'estampe. Voilà. La couvrance Tao, elle est transparente en fait. Il est transparent. Mais il est bien pour illuminer un petit peu. Donc là, je vais poudrer le teint Terry et l'anti-cerne. Donc je vais appliquer de la poudre libre, la gamme My Skin Perfect Art à la marque Essence. Donc c'est une poudre libre Lijaya teintée. Elle est trop bien, vraiment bzaf heila. Donc Hailik Fashidji, je vais prendre la petite éponge Hadia pour faire mon baking. Donc voilà, verra là. Elle est très fine, vraiment elle est trop bien. Et en même temps, vu que Féra une petite couleur, donc ça va vous donner encore de la couvrance. Et franchement, elle est trop bien. Elle fixe super bien. Et vu qu'elle est très fine, donc je vais l'appliquer Fkamel, le visage Terry, pour fixer le fond de teint. Voilà. Elle matifie bien en plus. Mais tu vois, je camoufle la peau. Mais comme j'ai un effet poudreux ou un effet plâtre ou là, pas du tout. Voilà. Donc là, on va passer au bronzer. Et pour le bronzer, je vais prendre de la petite palette Duo qui m'a comme tu fous. C'est une nouveauté. Donc, il y a deux teintes, qu'il y a la plus foncée ou qu'il y a la plus claire. Donc, là, j'ai pris la plus claire. C'est une palette qui est juste magnifique. Vraiment, les bronzers, les Fehab Zebzef Chabin. Donc, il y a un bronzer qui est clair ou qu'il y a un bronzer. L'IJ Shuya foncé, il est parfait pour ma carnation. Il s'estampe super bien, mais il lèche les traces sur la peau. Et franchement, la couleur Tao Zebzef Chaba. Donc, je vais l'appliquer ma comme. Il est juste parfait. Bronzer et vous allez voir, franchement il est sublime, bzaf chbab, je l'adore. En ce moment il est à me faire rire houa morbella tsbah li qrib habs qalbi, mais franchement il est trop bien, il est juste parfait chbab, il se sent trop bien, je l'adore. La texture tao bzaf hila, même la couleur tao bzaf chaba, j'aime trop, c'est un coup de cœur et le bronzer. Oh là là, c'est une tuerie. Voilà. Et pour le blush, je vais prendre Hadaya. C'est pas des nouveautés, mais en fait, elle joue des teintes jdd. Donc voilà, j'ai pris la teinte Lihia, la teinte 30. Voilà. C'est un magnifique pêche rose, super joli. Il est parfait pour l'été Hadaya. Donc je vais l'appliquer. La couleur est magnifique. Il est pas vraiment pigmenté. Il est comme des traces ou là. Genre, il est super joli. J'adore le genre de teinte sur ma peau. Je n'aime pas les teintes rosées bzaf, mais elle m'en est. J'adore tout ce qui est pêche et tout, j'adore. La teinte bzaf, c'est bon. Je vais vous mettre comme khdout hmimrat haka. Trop joli. Donc là, on va passer à un autre coup de cœur, Lihia Head La Palette d'Highlighter. C'est une nouveauté, c'est une merveille. Vraiment, Head La Palette, c'est une tuerie. C'est une palette d'highlighter qui m'a la comme tu fous, fait à trois teintes. Et en fait, les trois teintes, c'est très drôle de loin parce que c'est des teintes, les mchidjayim foncées. Donc, qu'il y a un pêche doré, qu'il y a un doré ou qu'il y a un rose gold. Bintleta, bzef chabin. Et d'ailleurs, vous allez voir sur ma peau. Là, je vais prendre la teinte Lijaya Flowstone. Et franchement, c'est une merveille. Vraiment, bzaf heilin. Hadouma les highlighters, c'est une merveille. Regardez-moi cette beauté. Oh là là, j'aime trop. À la belle complète, Anaya, j'adore les highlighters. Et franchement, Hadia, c'est une merveille. Had la palette, j'aime trop. J'aime trop. Et en fait, Anistamel, le pinceau, t'as la marque Essence parce qu'un temps, t'as des pinceaux. Hadaya spécialement pour l'highlighter. Donc voilà. J'adore une brille. J'adore l'highlighter. On a quand même le visage.
C'est bon, j'ai fait mes sourcils avec le crayon à sourcils, t'as la marque Essence, Lee Jae Kim Hakai, il est super bien, il trace très très bien les sourcils, donc voilà, d'autres qu'on allait plusieurs fois. Et sinon, pour fixer les sourcils terrés, donc je vais utiliser Head, le gel à sourcils, t'as la marque Essence, il y a d'autres qu'on allait plusieurs fois, je l'utilise depuis des années, même les débuts terrés, et franchement, il est excellent, vraiment, il fixe super bien les sourcils, et en plus de ça, Head, le petit tube, il dure une éternité, vraiment, et franchement, il est excellent, parce que j'aurais fixé vraiment toute la journée, mais il est trop trop bien. On m'a des paquets à café les sourcils ou là. Vraiment pas du tout, il est excellent. Sinon, pour les yeux, Kane Head, on met les deux petites palettes, c'est des nouveautés, t'as la marque Essence, le packaging est super joli, donc Kane Head, il y a la nude ou Kane Head, il y a la rose, qui m'a la comme tu fous, c'est des teintes neutres, t'as tous les jours, Hadia, c'est la nude, tu feras des teintes mates et des teintes irisées, ou Hadia, c'est la rose, voilà, elle est super jolie aussi. Voilà, voilà. Bon, c'est pas des teintes flashy ou là, mais c'est des teintes, t'as tous les jours. Donc, maquille ou biran, tous les jours. Même la pigmentation de taham, vraiment, elle est bien. Rien à dire. Par contre, je sais pas, mais en tout cas, voilà. C'est des teintes neutres. Alors, en premier, j'ai pris Head la palette, Headia la nude, qui m'a la kumtufu. Et j'ai utilisé Head la teinte. L'Hanaya, c'est une teinte de transition. J'ai appliqué juste l'Hanaya. Le creux de paupières, voilà, pour marquer un petit peu. Qui m'a retenu comme Adoma, c'est des palettes pour tous les jours. Ma Trudoche de l'Oberham, un make-up de ouf, parce que c'est des teintes neutres qui m'a la comme tout fou. Voilà, c'est parfait pour tous les jours. Pour les personnes, les mehabouches et maquillées ou bzef, et puis voilà. Mais pour les personnes, les teintes flashy et tout, vous n'allez pas trouver votre bonheur là, parce que voilà, c'est des teintes très simples. Donc Imala, comme tu fous, j'ai fini le make-up des yeux, j'ai rien fait de spécial, voilà, j'ai fait un petit foxy eyes juste pour agrandir le regard, voilà, head and again. Et sinon pour le mascara, je vais utiliser le lash princesse, comme tu as le lash princesse, je vais utiliser head et le vert, Imala, comme tu fous, le vert, le orange, le violet et le bleu, Benarba Haylin. Là j'ai juste pris head et le vert parce que j'aime bien la brosse Tao Haylin qui fait chez, et franchement il est excellent, donc voilà, je l'adore. C'est bon, j'ai appliqué le mascara Terry, il est juste incroyable. On dirait un idéal, vraiment des fossiles. Il met de la longueur, il met de le volume, il est hyper noir, il est super joli. Et franchement, le Lash Princess, c'est l'un des meilleurs mascaras que j'ai pu tester. Sincèrement, bzaf Hayline, d'ailleurs, à chaque fois, rupture de stock. Et franchement, rien à dire. Quand il faut bien et comme. Sinon, en tout cas, on va passer au rouge à lèvres. Et pour le rouge à lèvres, Han Stamel Head la gamme. Lijaya Kimahaka. Donc, c'est des rouges à lèvres crémeux. Aoulik le packaging qui fait JJ blanc et doré. Bzef Chabin. Et en fait, Kane, 8 teintes en tout. C'est pas des nouveautés, mais surtout des teintes jdid. Et par contre, je sais pas ce que je vais mettre. Il y a une teinte foncée, ou là une teinte claire, ou là un nude, je sais pas. Je sais pas. Mais le make-up, la nid la tounre, donne des comme les teintes. Mais Malabelli, je suis une d'air. Tu vois, de la couleur, je sais pas. C'est une merveille. Vraiment, ils sont très agréables. Bzef, bzef, Aileen, a douma les rouges à lèvres. On est que je t'aille. Puisque là, on m'a prévu une idée. Est-ce que Nadro, elle a la couleur, t'as le rouge à lèvres ou là. Parce qu'elle est juste incroyable. Elle est magnifique, la teinte. C'est la teinte 07. C'est hyper crémeux, c'est très agréable, la couleur est juste magnifique, vraiment. Bzef chaba la couleur, magnifique, j'aime trop. Et je termine avec le spray fixateur, t'as la marque Essence, c'est une nouveauté à Day Ethnic, c'est le Keep It Perfect Fixing Spray, donc free from oil and alcohol, donc me fait chez tout me fait chez l'alcool, fait 50 ml, c'est pour tout type de peau, un effet hydratant sur la peau, parce que me redonne l'acide hyaluronique. Donc voilà, je l'ai utilisé plusieurs fois, il est excellent. Donc voilà, un effet rafraîchissant, il est trop trop bien. Donc voilà les filles pour la vidéo. J'espère que la vidéo de Kuna Dubcom. Sincèrement, c'est des produits Ladbouni Bzef. C'est une tuerie qui m'a la comme tu fous. Ils sont juste excellents à petit prix. Donc voilà, personnellement, Anna, j'aime beaucoup trop. En tout cas, qu'il y a d'autres nouveautés. Mais je ne sais pas en fait la vidéo. C'est juste impossible. Mais je ne sais pas sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Parce que H24, sur Instagram. Donc voilà, en commentaire ou en barre d'informations. Voilà, voilà. Sinon, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!